président public là, Jovenel Moïse, installé mercredi 28 mars là, comité pilotage et secrétariat technique pour organiser l'état généraux sectoriel nation. Comité ça a 6 mois pour y mettre travail. 54 arrestations, 8 machines à 3 motos confisquées, 10 armes saisies avec 20 kg marijuana. C'est bilan opération la police réalisée sorti 15 février pour le jour et jeudi, selon votre parole en après PNH, inspecteur Gary Desrosiers. Journalistes ont marché en silence dans la rue Port-au-Prince mercredi 28 mars là, pour demander lumière sur disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Ils ont marché et commencé sur place Constitution pour aller voter devant paquet Port-au-Prince. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal Mi-temps Journée sur télévision nationale d'Haïti. Dans l'information, il y a un gros chita palé en tout secteur de la nation avancée. Le président de la République, Jovenel Moïse, a installé le comité pilotage avec le secrétariat technique pour organiser l'état généraux sectoriel nation mercredi 28 mars 2018. Là. D'après chef l'État, à partir de journée jeudi, la personnalité sa yo gagne 6 mois pour produire et puis remettre un pacte pour stabilité et progrès socio-économique. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay dans un reportage. Comité pilotage ça gagne la donne une vingtaine de membres qui sortent dans différents secteurs dans la société. Secrétariat technique là, beaucoup de PAL, gagne une dizaine de membres qui pourraient renforcer le travail comité pilotage là. C'est un groupe personnalité connu dans le domaine. Le comité ça pourrait assurer bon déroulement état généraux sectoriel nation, planifier une série dates importantes et puis valider une série de choix stratégiques à travers différentes propositions qu'a fait. C'est un travail difficile, mais qui paraît impossible. C'est le respect. C'est de la mesure où la personne se sent respectée qu'elle peut donner sa confiance. Donc nous avons un immense travail à réaliser. Remettre la confiance au cœur de ce pays. Que nous puissions nous regarder, nous, Haïtiens, Haïtiennes, avec un regard de tendresse et d'amour. Nous sommes tous de la même famille, qui que nous soyons. Mais nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, cette unité fondamentale pour pouvoir construire et faire sortir ce pays dans ce trou où il se trouve, parce que nous tous, nous sommes coupables. Dans l'occasion de la célébration première année de notre pays, à 7 février qui s'est passé là, le président Jovenel Moïse a déclaré année 2018 là, année pour commencer à exécuter tout projet clé administration l'a initié. Et spécialement projet Chita Palé à la ronde Badessa dans la nation. Pour pays à Wemabre, à tout niveau. Pour chef l'État, c'est une grosse action qui a posé dans le pays pendant le mandat. Une action d'après lui qui concerne tout le monde. Mesdames et messieurs, la finalité du nouveau pacte est de créer les conditions pour rendre possible des changements majeurs dans divers domaines couvrant les 4 grands secteurs d'activité. Politique, économique, sociale et culturelle. Les principaux domaines identifiés et qui feront chacun l'objet d'un atelier sont les suivants. La gouvernance politique, la gouvernance locale, la gouvernance économique, la gouvernance environnementale et aménagement du territoire, la gouvernance de l'espace public et médiatique, la gouvernance du système éducatif, la gouvernance du système de santé, l'identité culturelle et l'intégration sociale, l'ordre et la sécurité publique, la place d'Haïti sur la scène internationale. Nous en face à une grosse responsabilité. Nation a gardé nous. Je dis à nous pour une grosse décision. Une décision côté pays a c'est en cours. Je dis mercredi, ça, tout le monde fait pour nous garder le problème ensemble. Ça va vous dire. Le pays n'a pas gagné l'élection pour le faire là-dedans. Oui, il faut gagner l'élection pour renouveler le monde qui se pouvoir dans le pays d'une manière démocratique. Oui, il faut que la justice travaille. Mais je dis à mon gros problème. Vivre ensemble. Bon gros problème pour nous dire qui ça nous d'accord sur lui ensemble, qui ça nous pas d'accord ensemble. Cloche la sonne pour que la voix de cette minorité bruyante cesse
s'imposer sur la majorité silencieuse. Un état généraux sectoriel national, c'est une étape importante dans l'établissement d'un pays démocratique. C'est ça qui permet tout le monde, toute classe sociale et politique, chita réfléchir sur la situation socio-économique, politique et environnementale pays pour aboutir à une seule solution côté tout le monde d'accord. Résultat chita palais général Saad doit gagner retombé positif sous pays pour plusieurs générations qui viennent. Merci Sabine ak Jean-Naël. Séance plénière bureau Sénat a organisé mardi 19 mars passé à côté sénateur Naoun Marcellus était malade qui était la cause bureau te mette en continuation organisé mardi 27 mars là côté sénateur yo te débat sous séance en 1er février côté assemblée a été transféré dossier enquête sur dépenses l'agent Petro-Caribéa dans cour supérieure des comptes à contentieux administratif. 14 sénateurs voté pour dire d'accord pour finir la séance 1er février. 5 sénateurs pas d'accord avec une abstention. Kounia, sénateur pral commence le travail d'après président Sénat Joseph Lambert qui était dans le micro fait dans confident avec Moïse Wilwitch. Après un pile tergiversation, après un pile temps mort qui était même dit qui créait un certain handicap en termes de fonctionnement pour l'Assemblée des sénateurs, nous avons choisi pour organiser une retraite. Et dans la retraite, ça, eh bien, entre nous-mêmes, sénateurs, nous te débattons de tout ça qui gagne à ouais avec bon fonctionnement Sénat, respect qui doit gagner tout à bureau que sénateur eux-mêmes te voté, et bien au mandat, et faire en sorte que nous veillons le plus que possible à ce que pas gagne aucun acte que nous poser qui est contraire à la Constitution, loi de la République. Et plus particulièrement au règlement intérieur du Sénat. Et voilà, après retraite là, nous fixons l'autre rencontre et nous fixons toutes les périodes côté nous pour nous faire des séances statutaires. Fort malheureusement, nous connaissons la dernière fois dans la table de débat sur lui, un incident malheureux produit et nous te reprendre séance ça hier. Hier, eh bien, assemblée et sénateur, tout tendance confondue, eh bien, ils débattent. Et après débat, eh bien, assemblée a accusé, on vote, et vote ça dit que ils sont d'accord avec le rapport succinct là, qui était consacré vote sous résolution Petro-Caribéa par 14 votes pour, 5 contre et une abstention. Il y avait 21 sénateurs présents dans la salle. Eh bien, question ça pour moi-même, les consommer. Étant comme tu dis, et pendant que je dis, moi, tenu compte de ça qui doit régir le fonctionnement ou l'assemblée. Parce que, à partir du moment qu'on majorité sénateur a adopté un acte, et puis pour que AXA, assemblée sénateur, de façon souveraine, on doit décider où retourner sous lui. Mais personne, sénateur, pas capable de faire un bureau retourner sous une décision qui est acceptée par la majorité des sénateurs. Dès lors, la logique de la majorité qui peut décider sur à quelconque cap posé au niveau législatif, eh bien, l'étape nulle, et à n'importe quel moment, nous avons décidé pour nous dire, eh bien, loi qui était votée en 2007, loi qui était votée en 2012, eh bien, loi ça y est, il n'y a pas en vigueur encore parce que purement et simplement, il y a un groupe de sénateurs qui choisit, ils ont même délibérément pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec. Je crois que c'est ça qui joue un plus important pour nous. Et nous arrivons en phase où le Sénat a commencé, recommencé, à rejoindre le fonctionnement d'entendre. Et lundi, on aura une conférence des présidents et conférence des présidents pour le mois d'avril. Et au cours de cette conférence des présidents, nous avons une opportunité pour nous non seulement arrêter l'agenda législatif pour moi, mais en même temps tout, prendre toutes mesures que nous estimons que nous sommes capables de prendre et que la conférence des présidents a avalisé moi-même en tant que président Sénat et bureau pour faciliter et permettre un fonctionnement régulier et efficace du Sénat. Le dossier dans le journal là, la police a arrêté 54 personnes, confisqué 8 machines, saisi 3 motos, 10 armes, 20 kg marijuana.
Ce bilan opération PNH réalisé sorti 15 février pour arriver jeudi jeudia, porte-parole en après PNH là présenté mercredi 28 mars là. Inspecteur Gary Desrosiers fait connaître qu'il y a une recherche qui mettait derrière une série de bandits qui est spécialisé dans kidnapper moun cap sorti pays l'étranger ak moun qui sorti la banque. Gary Desrosiers a annoncé arrestation Franz Montbrun qui c'est un dealer drogue qui était basé dans le département Sud PIA. Il est extrait dans micro Anne Marguerite Auguste. Gagné 54 moun qui arrêté parmi eux 3 femmes, 8 véhicules confisqués, gagné 3 motos qui confisqués. 10 âmes à feu saisies, 20 kilos de marijuana saisies. Nous avons noté que une grosse opération que DCPJ a menée via BLTS dans le sud, a arrêté Franz Montbrun, qui continue que les boss Franqui. Monsieur, c'est un gros narcotrafiquant qui a gagné dans la zone sud, là, que DCPJ a recherché depuis 2005 lors de l'opération BLTS. Procédé à arrestation. Le 15 mars 2018, DCPJ interpellé Batraville Carnaret pour une enquête justement qui l'ouvrit sur l'assassinat qui était fait sur inspecteur de police Gilbert Paul. Nous songez assassinat ça qui était fait à Delma 19 le 16 février 2018. Le 23 mars 2018, DCPJ arrêté Ricardo Prophète Junior Octina qui continue à créer Toutou ou Caro. N'a pas noté que Junior Octina était arrêté déjà par la DCPJ pour en 2017 pour vol à main armée. Deux messieurs ça yo spécialisé yo dans vol à main armée. Non, attaque justement qui était faite sur plusieurs monde qui a sorti à l'aéroport, qui sorti à l'étranger et moun sa yo il y a plusieurs là donc mouri dont Lionel Malbranche côté que il était assassiné le 4 décembre 2017 n'a noté que monsieur son ressorti américain lié le 1er mars 2018 monsieur sa été attaqué et tué Woodley Darzulout ça t'est fait le 1er mars, Adelma et toi, gagne tout madame Clausienne, petit frère, côté que yo t'ai assassiné dame ça devant porte la Kaeli pendant que li sorti en voyage le 18 mars 2018. Alors, deux messieurs ça qui n'a pas en télévision, n'a pas là sur écran nous. Monsieur Sao justement fait partie de gang ça et yon la donne qui a arrêté par la DCPJ. N'a tout lancer tout en vidéo recherche, toujours dans le même cadre dossier ça, contre Charles James. Infraction reprochée, assassinat, vol à main armée, association de malfaiteurs. À vidéo recherche, le CVJ a recherché activement Jean-Claude Capitaine. Infraction reprochée, assassinat, vol à main armée, association de malfaiteurs, toujours dans le cadre dossier, monde qui victime, monde qui saute la banque. Surtout zone métropolitaine, parce qu'il implique là-dedans tout. Et puis, monde qui sorti en voyage. N'a pas gardé justement, et valisa que nous voyons, c'est justement du monde qui est victime. Et gagne un parfum, gagne justement, lors de l'opération qu'il nous fait, et j'en nous dire le 23 mars, nous joignons deux pistolets de calibre 9 mm, nommés deux messieurs Zao, que nous voyons sous écran noir, avec plusieurs cartouches. Gagne en total 15 personnes qui victimes de réseau Sayo. Alors pour raison de sécurité, nous pas citer non yo, mais l'islam est vraiment long. Et encore une fois, n'a pas des populations justement joindre deux moun Sayo que nous lancer à vidéo recherche derrière qui impliqué justement dans et cas de braquage et qui plusieurs moun qui victimes de yo. Sous initiative en plusieurs organisations journalistes, yon marche réalisé mercredi 28 mars là dans Port-au-Prince pour demander bonne enquête sous disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Marche ça qui était commencé devant place Constitution et fini devant parquet Port-au-Prince. C'était occasion pour journalistes yon mandé pour société a accompagner yo nan permettre yo joindre information sous disparition journaliste là. Johnny Arbicaseus dans un reportage.
Si nous pas paraître, c'est nous tout cap disparaître. Nous demander la justice pour verger le dossier ça. Vladimir Kotoye, c'est quelques paroles où tu es capable d'identifier sous pas quatre journalistes en signe de protestation sous dossier disparition confrère Vladimir Le Gagneur. Vladimir Le Gagneur quitte la Cali depuis 14 mars 2018 pour aller faire un reportage dans zone Grand Ravine. Depuis date ça, il peut que j'aime faire signe de vie selon madame journaliste. Journaliste yo mandé responsable justice avec la police nationale d'Haïti mener enquête pour joindre trace journaliste là. Disparition Vladimir nan lage nous nan ambulatia. Nous besoin lumière. Nous doit connait la vérité sur ça qui passé collègue nous en Grand Ravine 15 mars passé. DCPJ fait nous honte fois ça. DCPJ fait nous honte fois ça. Jean ça te prévoit après match là madame Vladimir Le Gagneur déposer plainte dans paquet Port-au-Prince. Jeune dame là souhaite autorité concernée yo tande voix famille journaliste là. Autorité obligé font bagay pour que yo éclaircisse si disparition Marine parce que m'pa capable encore obligé tout bagay. Vladimir Le Gagneur, c'est un journaliste photographe qui a pu se passer 5 années dans le métier. Il était travaillé dans les médias en ligne Loops News, Haïti News 2000 et Journal Le Matin. Toujours sous même dossier à un porte-parole, en après PNH l'a fait connaître, direction centrale, police judiciaire déjà saisi plainte madame photojournaliste Vladimir Le Gagneur déposée dans DCPJ. Gary Desrosiers dit qu'il a déjà ouvert une enquête pour y faire lumière sous dossier disparition journaliste là. Il y a extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste. On a dit au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, effectivement, nous saisi de plainte madame là. Et automatiquement que nous saisissons des plaintes là, enquête là a été ouvrie. Et nous avons pile d'informations que nous disposons, que nous gardons nous justement pour que nous popularisions pour le moment. Parce qu'il est capable de nuire à l'enquête là. Et nous avons dit que nous avons une belle avance que nous avons fait actuellement là, pendant que nous n'avons pas la volant. Et actuellement, les policiers nous sont sur le terrain pour nous capables de faire lumière de Kassa, côté que jusqu'à présent, famille, confrères, dans la presse, pour que j'aime capable de gagner une nouvelle de journalistes, de jeunes journalistes, côté que pratiquement société. Hein. Et. Avec la presse, en synergie justement, pour y demander justement pour que les journalistes tournent la caille et pour tout le monde capable de faire. Et DCPJ, encore une fois, enquête là pas se poursuit, il n'y a pas d'anti-war et enquête yo pas jamais se poursuit ici. L'homme dit enquête se poursuit, c'est justement jargon que, qui est censé que la presse toujours utiliser. L'enquête là se poursuit par un résultat. Il y a un pile d'efforts qui fait dans ce sens-là et nous, pas encore garanti. Que nous avons fait lumière sur le cas ça, spécialement, côté que nous avons une considération spéciale, et tout notre cas justement que le DCPJ traite, toujours une considération spéciale. Mais son cas justement qui m'a dit justement pile intelligence, en pile technique pour que nous soyons capables d'arriver justement à faire lumière sur ça, et pour la société, et dans le jour qui vient, ou du moins pour mon portant, la presse a pour courant de enquête là, et la pour courant justement de ça que nous joignons. En termes de résultats. Mais nous avons plusieurs informations, mais nous ne sommes pas capables justement de diffuser les réunions publiques pour le moment. L'autre information dans le journal, la première dame république, Martine Moïse, dans tête collée avec la fondation Cléry Haïti, lancé mercredi 28 mars, il y a un concours pour artistes différentes catégories en Haïti. Activité ça a été clôturée dans le mois de juin, Cap Vénila. Isaïe Aurelius a présenté nous un compte rendu. Si artistes dans 10 départements pays qui participent dans le concours, le concours a visé à encourager artistes différentes catégories et puis bayo visibilité sur plan national et international. Papier mâché, céramique, fer découpé, peinture et travail wash, c'est ensemble catégories. Jury a bien pour évaluer et puis sortir avec 5 gagnants d'après l'organisateur. Dans 5 disciplines, il y a bien 3 finalistes qui font 15 personnes plus 5 gagnants. Mais 5 gagnants, madame Naliban, mandat. Et avec l'organisation Les Arts Libres, pour me responsable, moi c'est commissaire et concours là, j'ai toute responsabilité concours là, et gagnant yo, c'est moi pour chercher formateur et pour accompagner à l'étranger. C'est pas juste à l'étranger, le problème qui gagne c'est que c'est pas que nous pas gain talent, mais le plus souvent les haïtiens là non concours à l'étranger, ils ont pris, là ils rentrent le vinyle pas garder contact.
même les rentrer, pas même connaître les talibs. Et c'est ça que les talibs missionnent, c'est pour le faire, j'ai envie d'éclairer, pour éclairer la canoë, pour éclairer et pour éclairer l'autre bord. Première dame République là, Martine Moïse, quoi de mal ça fait pour valoriser talent artiste haïtien? Travail pour porter changement dans la vie artiste, c'est une parmi divers autres soucis, première dame, non? Selon déclaration. Le gros problème artisan nous gagne, artiste nous gagne, le gros problème de finition. Par exemple, soit ton table dans mon artiste, ou quand c'est arrivé la caille, ou gros pied qui pique coûte passer l'autre là. Donc, artiste, il faut qu'il travaille, puis qu'il standardise le travail pour que ça ne fait pas faire seulement pour Haïti, nous faire pour nous voyer à l'étranger et que devise qu'à entrer dans le pays. Donc, formulaire, n'a pas joué, parce que c'est tout artiste à travers le pays qui est invité. Formulaire, nous avons joué dans la délégation et dans la direction départementale, ministère et éducation. Parce que nous disons que nous avons beaucoup mieux pour la vie meilleure, mais qu'il faut nous commencer à mettre des outils dans les artistes, des outils dans les artisans, la vie meilleure pour qu'on commence à joindre. Haïti éclairé aujourd'hui, la vie meilleure demain, c'est le thème qui choisit pour le déroulement concours. Gagnant, nous avons joué une récompense, tant que l'argent et puis formation. Pour rendre plus performant. Ministre de la Santé publique et population a accompagné l'ambassadeur américain en Haïti lancé mercredi 28 mars là, réseau national transport et échantillon. Cérémonie a déroulé en présence plusieurs techniciens et cadres dans le secteur santé et chercheurs épidémiologie. Dans l'occasion, le ministre de la Santé publique, la Dr. Marie-Greta Wa-Clément, remet responsable laboratoire national santé publique là, plusieurs matériels pour transporter échantillons épidémie, tant que moto, machine et matériel secou. Directeur direction épidémiologie laboratoire et recherche, Dr. Patrick Dely, montré importance surveillance épidémiologique gagnée dans le secteur médical. Là. Nous invitons à suivre un extrait. Quel que soit le problème qui gagne, quel que soit une nouvelle pathologie que vous détectez, il est important qu'on ait un monde souterrain qui identifie les pathologies et puis pour qui dit mais qui s'allie. Et puis pour voir si il y a l'autre monde qui est affecté, et puis pour prendre des mesures pour empêcher que l'autre monde ait un problème. Non. Mais surveillance, ça n'est pas qu'à marcher. Pour contre, il n'y a pas un laboratoire qui est bien équipé, qui peut supporter. C'est ça qui fait pour nous aujourd'hui, ça qui passe là, c'est un bagage qui est fondamental, parce que ça permet de nous détecter un cas, que nous, généralement dans le langage épidémiologique, nous avons les cas suspects de une maladie. Nous, à partir de symptômes cliniques que nous sommes capables de présenter, maintenant, nous avons un système qui a permis de nous prendre un spécimen KK suspect et puis nous acheminer vers le laboratoire et puis pour diagnostic la fait dans le plus bref délai. Ça permet au ministère de la Santé publique d'avoir une réponse à toute pathologie nouvelle ou bien à une épidémie plus rapide. Et là, c'est améliorer, si vous voulez, le système de santé. Jeanne Sison, dans l'interview li accordé la presse, dit réseau sans pral servi pour aider dans la recherche et traitement dans le domaine de la santé, yon moyen en plus pour la population et l'autre qualité de service. C'est sous notre salle, nous prenons pause dans le journal. Arrêtez branché, nous tournons dans un petit moment. Merci pour fidélité ou attention. J'en ai annoncé l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel Jean Sison. L'interview lui a accordé la presse, dit réseau central servi pour aider dans la recherche et traitement dans le domaine de la santé. Il y a un moyen en plus pour la population. Il y a l'autre qualité de service. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro, Falland Delphin. Cette partenariat, cette collaboration est très étroit ici, au laboratoire. Vous voyez. L'équipe, avec ses nouveaux motos, avec ce système du transport rapide des échantillons au labo, va aider beaucoup dans le traitement et avec la recherche, pas uniquement à propos des maladies prioritaires comme le VIH-Sida, mais aussi avec le tuberculose, et le choléra et d'autres maladies prioritaires. Alors, je voudrais souligner que ce partenariat entre les États-Unis par voie de notre Center for Disease Control, notre PEPFAR,
notre agence pour l'assistance bilatérale, l'USAID, contribue, j'espère, dans une manière très fructueuse avec le MSPP et le laboratoire d'Haïti. Sénateur Nimplan, France Net, Denius, remet mercredi 28 mars là, un chèque qui est valé à 1 million goud, ben magistrat principal communauté Rivière Nimplan, Céreste Cadet, qui c'est tout, vice-président association magistrat département ça. D'après sénateur Denius, ses contributions pâle à la population Nimplan pour période fête Pâques là. Un extrait dans le micro, Colo Elisère. Tout 11 magistrats, il a recevoir une partie dans chèque ça. Mais en dans département toute commune yo pas gagné même fait rara pas gagné même ampleur. C'est ça qui fait selon ampleur activité rara et ben il y a capable faire une distribution et à chaque magistrat. Mais tout magistrat dans tout a recevoir une participation et certaines sections a recevoir tout une participation. Ça et 1 million de gouttes c'est pas rien mais symboliquement nous faisons pour nous montrer et pour nous dire eh bien, l'État que c'est merveilleux. Mais avec magistrat Céreste là, il saute passer dans l'intérieur, il passe dans la culture, avec magistrat la Vallée, eh bien, jusqu'à présent, même une goutte, il n'y a pas qu'à joindre pour activité ça. Alors que, il y a de l'autre autorité, dont moi-même, qui recevra déjà moyen pour faire ça. Devant et publiquement, remettre magistrat chèque de 1 million de gouttes ça. Que Libral capable de distribuer et participer avec l'autre magistrat pour l'activité. Magistrat, commune Trivière Nimplan, Céreste Cadet, qui recevoir chèque là, remercier sénateur François Denius pour geste là. Li profiter, mandé l'autre Elio, mettez tête yo ensemble pour travailler dans le développement commune yo. Suivons bout dans la déclaration. Le plus souvent, ce n'est pas le fait que gros crob, mais c'est façon crob la baille là et avec qui sentiment que crob la baille là. Parce que nous c'est 11 communes. 11 communes, magistrat va le sentir, on t'y j'en connaît que sénateur France avec. Il n'a pas le faire grand chose, mais on va le chita avec toute collectivité, Kazek, tout le monde va le garder 1 million de gouttes qui s'en a fait ensemble. Comme lui doit faire son nom, yon moun. Et c'est ça qui fait que m'accepte que le fait son nom. Mais lui pral distribuer avec toute collectivité ya, pour que samedi, pour que chaque moun ti part qui revient à l'IA, lui mette ses on ban rara, lui mette ses on galon clairé, on gabay à rara ça. Moi je crois que c'est un geste qui est très apprécié. L'autre nouvelle, archidiocèse en Port-au-Prince à Paris pour organiser chemin croix vendredi saint dans Port-au-Prince Delma à Carrefour qui réparoise cathédrale Port-au-Prince là révérend Père Guy Crispin expliqué déroulement événement spirituel ça a démarré à 6h30 dans matin et a sorti sous place canapé vert pour bout sous place tout saint l'ouverture sous champ de masse. Pour Delma, possession a commencé dans l'église Saint-Martin Delma 5 pour bout dans l'église Altagrâce Delma 44. Pour Carrefour, possession a démarré dans Marine Haïtienne pour bout dans centre et sportif Carrefour. Chemin croix a déroulé à Nessa sous thème avec Marie en rentrée dans combat Christ là pour nous porter la victoire. Nous invitons à suivre un extrait. À Nessa a gagné comme l'an dernier, a gagné trois grands mouvements comme ça. A gagné un mouvement et sous Delma, donc a gagné gros possession tout. Qui a sorti dans l'église Saint-Martin et puis qui a monté à Altagrâce. Ça, c'est pour zone Delma. Et pour zone Carrefour, il a sorti dans la marine haïtienne et pour y aller jouer et dans le centre sportif. Donc, nous-mêmes, nous avons sorti dans la place Canapé Vert et pour aller sur la place Toussaint. Alors, normalement, parcours là, donc n'a pas canapé vert, n'a pas école république des États-Unis et n'a pas l'angle et Alex Roy et Bois Patate, n'a pas le bord Téléco et Pomorin et n'a pas pompe gaz qui entre la rue et Alex Roy. Et alors, c'est les 14 stations, c'est comme ça la bagarre, mais chemin, c'est canapé vert. Descendre net et puis pour nous prendre
aller soit aller juste sur la rue descend net bon puis aller market et puis pour aller sur Sean Mars. Alors comme on t'a parlé avec mon confrère quartier général nous avons fait 13e station là qu'on a pas demandé permission parce que gueule dans le pays il y a la place là qu'on est là donc on a demandé permission dans la zone. Allez ça thème nous prend et pour chemin de la croix pour nous réfléchir c'est avec Marie en nous entrer dans le combat Christ là pour nous porter la victoire même Jean avec lui. Dans le dossier sport, football, Racing Club Haïtien fait match nul 2-2 avec ASC Ayeosroa dans le stade Silvio Cato. Dans 4 matchs, avancé 8e journée championnat national première division 1. Et puis à l'étranger, basketball NBA, LeBron James marqué 41 points pour aider Cleveland Cavaliers battre Charlotte Hornets 118-105. Nous invitons à suivre. Racing Club Haïtien, dernier dans le classement avec 3 points. Recevoir ASO dans le stade Silvio Cato, Association Sportive Capoise, 2e 16 points. Dans le cadre match avancé, 8e journée, c'est ouverture, championnat national, football, 1ère division 1. Vieux Lyon 1 qui menait 2-0 après premier mi-temps, fait match nul 2-2 avec Vieux Coq Capoise. Déterminé pour faire première victoire dans le championnat national, Racing Club Haïtien tombé sur un mauvais adversaire dans 8e journée, malgré les plus que bien négocié premier partie match là avec 2 goals de Jean-Houston de Rival, dans 27e à 44e minute, vice doyen club dans le pays. Qui te quoi fait ça que t'es plus impossible là, prend 2 goals dans deuxième mi-temps, et si ancien joueur Wanamet FCA, France Moïse, 65e à 73e minute, qui gâte fait formation journée bleue là. Nous ne pas attendre ça, ou quand l'équipe a été en rendez-vous, deuxième mi-temps, nous un peu lâché, nous faisons des erreurs, nous prenons goal, pas qu'à mettre Charles sous défense, pas qu'à mettre sous attaquant, parce que son équipe, si nous prenons des goals, nous prenons des goals, nous pensons que nous prenons la bataille, prochaine fois pour mémérer ça, on va commettre encore. Match une ça, pourtant, mettez ASC co-leader, c'est ouverture avec ASC Balais, 17 points, alors que Racine était 16e et bon dernier. Avec seulement 4 points sur 24 possibles. L'autre résultat qui est enregistré dans 4 journées, ça, Racing Football Club Gonaïve, corrigé Petit Gouave FC 5-0, AS Sud-Est Acreal Hope fait match 1-1 dans le parc Péchina Jacques Mel. Dans le reste calendrier, journée jeudi 29 mars, là, Valencia Léogan a recevoir AKFC, FICA a recevoir Wanamet FC, Cosmopolite a prétendre Baltimore, Don Bosco a accueilli l'idée à AS Mbalet, Tempête a mesuré la cavalerie Léogan. Président République là, Jovenel Moïse, installé mercredi 28 mars là, comité pilotage avec secrétariat technique pour organiser l'état général sectoriel nation. Comité ça a gagné 6 mois pour mettre travail. 54 arrestations, 8 machines à 3 motos confisquées, 10 armes saisies à 20 kg de marijuana. C'est bilan opération la police réalisée sorti 15 février pour le jour et jeudi, selon porte-parole en après PNH là, inspecteur Gary Desrosiers. Journalistes ont marché en silence dans la rue Port-au-Prince mercredi 28 mars là pour demander lumière sur disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Yon marche est commencé sur place Constitution pour Albout devant paquet Port-au-Prince. Voilà, c'est la journal de la boute pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.